vient d'arriver à la journée du 4x4 chez Euro 4x4 Parts dans les Landes. Donc il y a pas mal de monde déjà. Pas mal de stock. Voilà, on vient d'arriver au campement du soir après une petite demi-journée au salon du 4x4 chez Euro 4x4 Parts dans les Landes. Donc là, on vient d'arriver au campement. On vient de se poser, il est plus de 18h. Avec face au lac, on va pouvoir manger là tranquillement et dormir là face au lac. Il n'y a personne à part les oiseaux, on va être vraiment bien là. On va pouvoir être au calme tranquillement. Avec un super joli petit lac. Donc nous on va commencer à attaquer l'apéro. Enfin, sortir et préparer pour l'apéro. On va pas attaquer l'apéro à 6h. Bon mais voilà, là on est bien posé, tout est en place. C'est l'heure de l'apéro. Après une dure journée, il a fait plus 30 degrés là aujourd'hui. On se croirait en été. Donc là on va faire un petit apéro tous les trois tranquillement avec la petite vue nickel face au lac, carrément au bord de l'eau. Donc voilà, donc nous on va se faire un petit apéro. Allez, on vous dit à la vôtre. Là on va pas tarder à préparer à manger. Donc ben, déjà pour on est très content de la plaque de cuisson là, de chez Kadak. Le modèle c'est celui-là. Il marche très très bien. Donc franchement on n'a rien à dire. Et pour la réserve de gaz de chez Kadak avec 3 bouteilles classiques en 220 grammes, on en est super content aussi parce que c'est hyper pratique. Ça prend pas de place. Et franchement, c'est bien. Il n'y a rien à dire, c'est pas excessif. Donc voilà, donc si vous voulez pas perdre de place avec une grosse bouteille de gaz, et en plus que ça fonctionne avec des bouteilles classiques qu'on trouve partout, que ce soit les Decathlon, tous les magasins de sport en général. Même à l'étranger d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce système là. Donc franchement bien. Nous ce soir ça va être pâtes. Les pâtes classiques. Avec des escalopes de poulet panées. Voilà. Par contre, la poêle de chez Decathlon, elle est un peu petite. Hein. Il va falloir qu'on achète une plus grande. S'il y en a qui ont des poêles à conseiller, avec un manche qui se plie comme ça, un peu plus grand parce qu'on est trois. Et là, on ne peut même pas y mettre les trois escalopes panées. Donc voilà, si vous connaissez une poêle un peu plus grande qui n'accroche pas, qui est très bien, mettez-le en commentaire. Quand il n'y a pas de ballon, et bien il y a les cailloux, de l'eau, et on s'amuse comme ça. Il n'en faut pas beaucoup pour s'amuser. Puis voilà, puis regarde les animaux, les canards, il y a des canards, les poissons. Puis après, par contre, il y a, on sait pas ce que c'est là, en face, dans les buissons. Il y a un bruit énorme qui est dans l'eau là. Je sais pas si c'est un gros poisson, un brochet, un sand, quelque chose. Mais ça fait un vacarme, c'est impressionnant. Donc on sait pas, on verra si on arrive à le voir ou pas, ou peut-être un ragondin, je sais pas. Donc on verra bien. Allez, Aiden, allez, jette le plus loin que tu peux. Fort, fort dans l'eau, et pas sur nous. Oh, juste devant là, c'est quoi ça? Là, c'est un peu mieux. Attends, donne-moi
un gros caillou pour. Mais trappe, il y en a partout par terre. Non, mais en fait, c'est juste que c'est dur. Mais oui, mais c'est dur, mais tu essayes. On n'a pas des gros là. Allez, jette. Jette-moi ça, montre-moi comment tu fais. En fait, j'ai été dit comme ça que ça jette loin. Vas-y. Regarde. Je te filme. Loin, hein. Non, j'ai mal fait. Ah, t'as fait un ricochet. Attends, moi j'avais inventé une technique. Allez, en fait, allez, en dernier, je te filme encore. Oula, qu'est-ce que tu... Ah là, t'as jeté loin. Bien. Très bien. On serait malheureux si ça n'existait pas, le patin en bivouac. C'est tellement simple et rapide à faire. Allez, un peu d'entrée. Salade de pâte en entrée. Et après, pâte. On reste dans la pâte. Tu en veux, toi, Aiden? Non. Non, tu en veux pas de ça? Allez, on est sur les pâtes. Très pratique, ça aussi. C'est la popote de chez Decathlon, là, 4 personnes. Où il y a tout. Bon, nous, on se sert que de la casserole et de la poêle et de l'écoutoir, mais. C'est vraiment pratique. Hop, et voilà, c'est fait. Voilà, les pâtes sont presque prêtes. On va juste rajouter la sauce. Elle ne rentre pas la cuillère dedans, puis chier. Qu'est-ce que c'est ? Allez, un petit peu de pâte pour Aiden. Approche, Aiden, approche l'assiette. Ah, tu en as assez? Oui. Bon, mais pour la digestion, on va aller marcher autour du lac un petit peu, avant que le soleil se couche. Un endroit vraiment paisible. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ça te va? Très bien. Il n'y a personne, à part un pêcheur qui avait de l'autre côté tout à l'heure. Et des carabes. Mais après, sinon, il y a les oiseaux et nous. Voilà. Et les moustiques. Ils sont carnivores, un truc de malade. Ils m'ont piqué, je saignais et tout. Et aussi un gros poisson qui fait pas. Du coup, on a remis les pantalons et les chaussures. Et aussi un gros poisson qui fait du bruit quand c'est pas ce que c'est. On sait très bien qu'en étant à côté de l'eau, il y a des moustiques. C'est logique en même temps. Avec le coucher de soleil, ça fait joli les reflets sur l'eau. Tu manges toi du pain? Mais c'est pour les canards, hein. Non, c'est les miettes. On a dit c'était pour les canards. Mais c'est pour les miettes. Oui, oui. Et ça, c'est les miettes. Hein. Ça, c'est les miettes. Hein. Je suis un homme qui marche dans le. Ouais, il y a un coucher de soleil. Je sais pas si on l'aperçoit sur la vidéo. Mais il y a un château juste au-dessus du lac, là. Mais je pense pas qu'on le voie à l'image. Marche pas dans la boue, Aiden. Marche dans l'herbe. Dans la boue aussi. Viens là, viens. Suis-moi. Là, là, là. Là où j'ai marché, marche. Allez, allez. Ah oui, sur les cailloux. Ah là, c'est bon, on peut marcher. Aiden, il va donner le pain pour les pingouins, il a dit. Non, je vais me tromper. Hey, je vais me tromper, oui. Papa, regarde. Regarde la chenille. Grave. T'as vu? Et là, le fil qui est attaché en haut de l'arbre. C'est ce que j'allais dire. Et elle est là, juste là. Elle est trop belle. Regarde. Elle est trop belle. Si on voit des pingouins ici quand même. Ouais, là si t'arrives à trouver des pingouins quand même, on est bon. C'est que je suis un pro. Ah oui, t'es un pro. Oui. Tu sens l'odeur à la vue. Il y a des canards. Il y a des pingouins. Ouais, ouais, des pingouins. Ouais. Et les aigles qui prennent. Il y a un petit peu de boue, c'est pas grave. Faites attention où vous mettez les pieds, puis voilà.
Allez, Aiden, tu passes au milieu là. Allez, on y continue. Un peu plus loin sur le chemin, il y avait un endroit pas mal aussi pour poser le campement. Mais bon, c'est là où il y avait le pêcheur tout à l'heure. Donc bon, on pouvait pas y venir. On pouvait pas s'y mettre. Mais là, c'est bien plat. Avec le lac en face. Voilà, et on voit le... Nous on est garé juste là-bas, de l'autre côté du lac. On voit le 4x4 au fond. Bon mais voilà, après une bonne petite balade autour du lac, on va se faire un petit café. Ça tient ? Oui. Hop. Un petit cappuccino pour madame. Un petit café italien bien corsé pour moi. Allez, un petit café face au lac, tranquillement. Bon, bah allez, on va lancer une petite partie de Uno. Aiden, il va encore perdre. Et toi? Tu vas perdre? Non. Moi, premier, papa, deuxième, maman, troisième. D'accord, ça, c'est l'ordre, on fait comme ça. Oui. C'est dans cet ordre-là. Moi qui commence. C'est maman non, qui va perdre. Non, c'est moi je commence, maman. J'ai combien de cartes? Moi, tu te trompes, je crois. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Je regarde. En fait, mes cartes. Moi j'en ai 6. J'avais pas de cartes. En fait, il m'a mis ses cartes à moi. Alors attends, j'en enlève. 1, 2, 3. Je mets. Attends, maman, elle compte ses cartes. Tiens. T'as trié ce que tu préférais, je parlais. Non, j'ai mis en premier. Hein, là, c'est à moi. Ouais. T'es loin sur la cam, hein. Je vois sur les cams. Qu'est-ce qu'il cherche, celui-là? Je vois sur les cams. C'est la cam, mais je vois. Mais quel tricheur! Mais je regarde comme ça, je vois les cams! Ouais, tu regardes comme ça, ouais. Mais c'est pas triché. Mais c'est pas de nos fois, tu mets les cams! Allez, maman. C'est qui après moi? Toi. C'est Aiden. Non, c'est maman. Après moi, c'est maman. Non, c'est Aiden après maman. Après maman. Qu'est-ce que t'as mis, maman? Je m'en fiche. T'en fiche? Je n'ai pas de garde. Je rouge. Tu pioches. Mais bon, je n'ai pas de carte. Est-ce que moi j'en ai du rouge? Non. Et non, je pioche aussi. J'ai dit, tiens. Tu peux? Non. En trois. À moi? Ouais. Rouge. Ah, je peux pas. C'est chiant, t'as cette couleur, hein? Ouais, j'en ai pas. Moi non plus, j'en ai pas. Elle va gagner. Non, je peux. C'est qui après moi? C'est hein? Maman. Non, c'est moi. C'est moi en premier. Qui? Ben, c'est à moi. Vert. Du vert. T'as la fin journée. T'en as combien? Attends, il va. Allez, chiant. C'est pas moi, hein, c'est papa. Non, mais j'ai peux pas. Elle a gagné, maman. Bah, il y a entre nous deux.
Vas-y. Je peux pas. Mais tu pioches ? Attends. Tu peux pas ? Je peux pas. Toi ? Le bleu ? Tant mieux, je te fais piocher une carte. Espèce de canaille. Ah, j'ai plus d'autres. Plus de. Et toi ? Mais ça, tu pourrais pas ? Non, je peux pas. Je peux toujours pas. Toujours pas. Tu commences à m'énerver là. Toujours pas. Foiré, t'as gagné. Papa il a perdu. C'était bien. Voilà, c'est Aiden qui a gagné un second. Et papa il a perdu. Je t'ai bien eu. Ouais, là tu m'as eu, oui. Allez, la maman. Elle peut pas. Ben elle pioche. Jaune. Jaune. Moi. Est-ce que t'as du jaune, Aiden? Ben, je l'ai pas. Bleu. Bleu. Mais non. Gagné. Uno. À moi. Là c'est maman, maintenant c'est à toi. Entre vous deux. Pioche. Je ne veux pas. T'as pas de jaune? Mais non, c'est pas toi. Si, si tu peux pas. Et il a gagné, papa. Vas-y, mets-le celui-là. Je peux pas. Donc. Mais non, j'ai que des cartes rouges. Ah, tu sais, bon, je poulet. Vas-y. Devine. Perdu. Tu vois, t'as gagné, là t'as perdu. J'ai gagné une fois. Allez, moi une fois. T'as entendu? Entendu. C'est vrai comme ça. C'est pour ça que j'ai peur. Mais c'est rien, il y a juste des crocodiles dans le lac. Y'a rien, regarde. Tu risques rien. Regarde, y'a rien. Je vois bien qu'il y a rien. Peur. Mais c'est dans les arbres, là. C'est les animaux qui bougent. Ouais, j'en sais rien, moi. J'ai peur, ça me fait peur, ça. Allez, va ta chaise. Arrête, va à ta chaise, allez. Non. Pourquoi tu fais ta fillette là? Mais non, ça me fait peur. Pourquoi t'as peur? Mais moi j'ai. Mais des fois. Mais j'ai. C'est pas grave. Y'a rien, tu vas pas mourir. Y'a rien. T'inquiète pas, je vais te mais protéger. Peur, mais y'a rien. Après, il va monter avec la hache. Allez, mets-toi à ta place, on fait le uno. Non, je vais mettre ici. Mais tu peux pas, sinon tu vas rendre nos cartes, c'est pas bon. Mais non. Mais si, c'est pour tricher en fait que tu fais ça. Bah non, je regarde non. Pas. Allez, va à ta place. Mais non, vous mettez votre carte là. Aiden, va à ta place. Ouais. Tu risques rien. Mais j'ai peur derrière. Allez, va à ta place. On fait la dernière partie, on va au lit. Allez, c'est déchiré. Mais ça ne peut pas me croire comme j'ai peur. Regarde, la lumière ici. Et là. Il arrive, on le voit. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a là? T'as peur, hein? Arrête. Pourquoi t'as peur comme ça? Mais... Il y a rien, c'est juste un animal, c'est rien. Regarde, c'est vrai, tu vois bien, regarde, maman elle te montre la lumière, il y a rien. C'est un petit animal. Fais le tour de quelqu'un pour voir s'il a rien. Mais non, il y a rien. Mais là, j'ai dit le tour. Je ne te dis qu'il y a rien, c'est juste parce que c'est un animal qui bouge dans les arbres là, c'est rien. Tu risques rien. Il y a du vent là, c'est le vent. C'est toi du chien? Oui, mais il doit y avoir des chiens par là, il y a des maisons un peu plus loin. Va de loup, hein. Allez. Ça me fait peur. Arrête, ça fait pas peur, t'inquiète pas. Allez, on continue, on fait le uno. Je mélange. Allez, go. Et bonjour. On a passé une bonne nuit. Il n'a pas fait froid, ça a été. Bon, bien sûr, on avait ce qu'il fallait pour se couvrir, mais il n'a pas eu froid. Et là, le soleil va se lever. C'est magnifique. Il y a de la brume partout sur le lac. C'est splendide. Regardez-moi ça, regardez-moi cette vue. Je ne sais pas si vous voyez la brume à l'image. C'est super beau. Bon, et nous on va déjeuner.
Bon, mais là, je vais essayer pour la première fois le support que m'avait offert mon petit frère. J'ai jamais osé l'essayer, parce que j'ai toujours eu peur de perdre la caméra. Donc, on va l'essayer aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà à peu près l'angle de vue. Bye.